Salut YouTube, ici Mikado, et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne du chaos sur Battlefleet Gothic Armada 2. C'est difficile, hein, des fois j'ai vraiment envie de dire la campagne légendaire, machin, machin. Et on va tout de suite ici faire notre quête. On a plusieurs plans, on a celui-là déjà, donc ok. Et pendant ce temps-là, ici par exemple, je vais simplement aller sur ce système pour valider la quête, voir ce que ça fait. Voilà. Dedans, il y a quelques trucs, mais pour éviter le maximum de dégâts, je vais la faire moi-même. Donc là, normalement, en faisant ça, je vais valider ma quête de la purge sanglante. Et j'espère que ça va me donner beaucoup de cornes. Ordre de déploiement, yes. L'Hadès, c'est bon. Hadès, c'est un émasculator que j'ai pas, c'est ça? Voilà, on va faire plutôt comme ça. J'ai plus de petits. Attention. Après, ça va, c'est contre les orques, mais attention, ça. C'est, ce truc-là est sorti un peu de nulle part et il n'y a pas eu de temps d'avance pour les streamers, sauf les gros streamers. Du coup, voilà, par exemple, Maf a pu y toucher hier, probablement d'autres gros streamers ont pu y toucher, anglophones, etc. Moi, pour ma part, je n'ai pas le droit. Ok. Alors là, l'intérêt, voilà, c'est que lui, normalement, il va au centre. Alors là, j'ai quoi? J'ai un Hadès, deuxième Hadès, et un Emasculator. Marrant, il a l'air un peu plus gros, l'Emasculator. Ok, il y a pas mal de canons. Ok. Mon groupe 1. Mon petit groupe B. Donc, qui, eux, possèdent des hangars. Au départ, c'est toujours intéressant d'aller titiller à distance. Est-ce que j'ai un objectif secondaire? Non. Ok, là ce qui serait intéressant, c'est que ouais, je titille de très loin avec ça. Parce que je peux littéralement défoncer très vite ces trucs. Et après, je vois qu'il y a trois vaisseaux. Je vois qu'il y a du chasseur qui arrive. Ce que je peux probablement faire, c'est essayer de les contrer au dernier moment. Et après, envoyer finalement les miens sur un de ces vaisseaux. Salut Tinon, comment tu vas? Alors, tac. Voilà. C'est comme ça qu'on va bien gratter, je pense. Pour l'instant, ça. Ok. C'est bon, j'envoie mes chasseurs. Peu importe sur qui ils foncent, là normalement je suis dans la lignée. Mes petits chasseurs vont intervenir. Voilà, le but c'est de descendre les trucs. Voilà. Ah, l'enfoiré, il a régène son shield. For the war!
Basta! Setting course. On va repasser en engagement comme ça. Moving to those coordinates. Show us our victims. Repair the damage at once. Warp strike successful, master. Reporting. L'enfoiré. Il m'a pété mes shields. Voilà. Ça c'est pas cool ça monsieur. Là il va prendre tarif là. Hein. Là pendant l'espace d'un instant tout. Bah, le macro armement quand t'es au corps à corps, ouais non ça pardonne pas. Hein. Ok, on va se recaler correctement et je vais activer mon scarabée. Normalement ça devrait le terminer. Hein. Il va me rentrer dedans. Ok, une fois qu'il est dedans. Et là, la peste de Nurgle s'abat sur lui. Pendant que nous, on régène. Ok. Mais ça va. Ça va bien. C'est sa petite campagne de Battlefleet, donc c'est cool. C'est cool. Petit upgrade pour un des vaisseaux. Donc là, normalement, il est niveau 3. Comment je vois s'il est niveau 1, niveau 2 ou niveau 3, ça, tiens. Je sais pas. Peut-être... Ah, là 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Les orques se sont dispersés, leur soif de combat diluée dans leur peur du sang. Pour le dieu du sang. Indeed. En effet. I chose to share my victory. His victory. No matter. We have gained a foothold in this sector, but we must move quickly. Assez rapidement, nous devons finir avec les WAG. We must bring death to Warlord Blitzripper. Lors de guerre Blitzripper. Blood for the blood god. Purge sanglante. Paf. Ouh, ça fait du bien quand même, hein. 1000 points de renommée, 2 dons de corne, nouvelle flotte, les forces Jazul Barras sont désormais disponibles. Les agents ont contacté le Warboss Gorespita, le commandant en second de Blitzripper, il est d'accord pour trahir son maître en échange d'un bon prix. L'enfoiré! Pourquoi marchand d'eux au lieu de simplement l'arrache? Space Titan flesh, and in great quantity. Worthless beasts. The Nerivian expanse is overrun with them. Then that is where we shall go. Oh,
Arkrist Van a invité Gorespita, un seigneur de guerre orc, à se battre à ses côtés dans son combat contre Blitz. Non, si c'est Blitz Ripa, l'orc à la tête des Wag. Gorespita a demandé à être payé en chair de titan de l'espace. Sinon, il ne l'aidera pas. Vrekan mène sa flotte vers l'étendue de Nerivian, où les créatures se rendent. Ok, ça sent le tyrannie de tout ça, c'est ça, à mon avis, hein. Et c'est où, du coup? Ok. Et du coup... D'accord. Alors... Du coup, on me demande d'aller là-bas. Soit. De toute façon, ce système, je vais l'abandonner. Et je vais aller le plus vite possible. Oh putain, elle est là! Oh, la flotte de cordes qui est déjà disponible! Avec un exécuteur, un grand croiseur! Oui! Nouveau type de croiseur, les gars! Pardon. Mais pourquoi il a des lances, mais... Ah oui, lui c'est... Mais lui c'est quoi ce vaisseau de pure distance? Salut Saskia, comment tu vas? Qu'est-ce qu'il s'est trompé de vaisseau, lui, ma parole? Mais ça, normalement, ça va pas avec lui, ça. Toi, tu veux aller au corps à corps, tu veux le manger. Le vaisseau lance 10 actions d'assaut sur la cible. Dégâts de morale, dégâts des troupes, l'affiché x10. J'avoue qu'elle me fait plaisir. Celle-ci, ouais. On va essayer de le... J'assume, on va essayer de le sauvegarder. On va le garder de notre côté. Alors. Par contre, vu la taille de sa flotte de petits vaisseaux... Première chose que t'as envie de faire, c'est de prendre ce fameux talent, vous savez, d'infestation démoniaque. Genre, dès qu'il y a un petit truc qui meurt, boum! Tu mets un truc d'action sur tous les vaisseaux autour, sur la portée d'identification. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et par contre, son vaisseau, c'est un vaisseau un peu de Tsenchlanes, hein, c'est... Ok, il y a double batterie, tout ça, c'est cool, ça tire que de latéral, mais... Par contre, chance de critique, c'est un... Ouais, bah oui, quand t'as autant de lances, tu m'étonnes que... Ah, il y en a une qui tire moins loin que l'autre. T'as vu? Par contre, il est beau. Ah ouais. Il est beau. Qui est masculator aussi, donc du coup, pour tirer. Encore une fois, mais là, à la limite, lui, il est plus dans le thème. Hein, la macro-batterie, les lances de bitube, tout ça. Puis après, il nous a mis plein de petits vaisseaux. Des petits comme ça, là, lanceurs de missiles. Et des petits comme ça. Lanceurs de missiles aussi, avec peut-être un truc à lance... Non, lance-torpille. Ouais. Faudra revoir ça. Mais, ok. À la limite, c'est pas grave, parce que, dans tous les cas, cette flotte-là... dans combien de temps? Dans 3 tours. 3 tours, on a le temps. Ça, c'est bon. Ça, c'est dans un tour. Ouais, c'est l'orc qui va nous attaquer, mais c'est bon. Donc, du coup, on va lancer... Oh, le secondaire, il m'a tout... Il a tout annulé. C'est trop fort. Mais il faut les faire vraiment. En fait, les secondaires, ça t'annule aussi le... L'urgence, quoi. J'ai envie de dire, c'est pour toi, ça. Hein. Dans ce cas-là. Ah, ou alors pour... Ouais, bah, lui... Et d'abord, je le défonce, et après... On va t'essayer un peu. Ouais, il a tout fait rentrer. Et après, on fait la quête.
En espérant qu'elle me fera pas trop mal, parce qu'après j'ai potentiellement un orc qui se ramène, donc... Mais normalement j'ai eu beaucoup de points par contre. Ah, il a de la gueule quand même, ce con. Hein. C'est pas le bon pour lui, faut que je change son vaisseau. Mais je crois pas avoir accès au grand croiseur, donc pour l'instant je vais pas le faire. Donc là c'est juste de la défense, ouais. Bon, si tu pouvais me donner le petit objectif de corne, j'irais pas non. Hein. C'est vrai que là il est gros. Hein. Il t'en met un de profil au cas où si tu comprends pas celui de devant, tu vois. Voilà. De toute façon, il faut que tu comprennes que corne il est là, tu vois. Il est beau. Il est très très beau. Actions d'assaut quand même. Hein. Ah, c'est du grand croiseur, mon gars. Hein. Ça pique à force. Hein. Ah, la bombe à plasma. Bon, je m'en serais bien passé en soi. On va dire que c'est bien mélange Staz encore une fois. De toute façon, Staz ça va avec tout. Donc, je vais les mettre en rechargement. Là c'est... Allez voir, il va prendre la foudre d'un coup. Ok, je vais essayer de le marquer. Voilà. Là, je pense que ça met tout le monde d'accord. Quand t'as 10 attaques... Ah, il va être très inactif pendant longtemps. Hein. No, we must escape.
Encore, c'est pas grave. Que je vais le toucher au moins une fois. Même pas. Ah, c'est qu'une fois que je peux le lancer, ce truc-là? Bon, lui, il est mort. Ok. Ah, c'est vraiment pas celui que j'aurais voulu. À la limite, je dis pas avec White Sage, cette année, c'est possible, mais. Pas avec Korn. Il faudra le changer. On voudra quelque chose de plus Korn. Très rentre-dedans. Beaucoup de macro canon, du coup. Un peu à la Nurgle, mais dans le principe d'abordage après derrière. Et c'est vrai que des petits vaisseaux, je trouve ça pas déconnant finalement. Voilà! Chantier naval, monde asservi, m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est ici. Et là, on fait la mission. Après, je peux peut-être attendre un tour encore. Ici, c'est dans deux tours. Ici, c'est dans un tour. Ah non, c'est dans 3 tours. Bah pourquoi t'es déjà là du coup, toi, en soi? Ah, tu te réj... Bah t'as pas besoin, tu peux bouger en vrai. Va te réparer un... Voilà, à la limite là. Là, normalement, les troupes, ça va revenir à fond tout ça. Mille 2 ici, non, ça on veut pas assumer. Donc ça, ça sera annulé, on l'a dit. Ici par contre. Ça sera annulé, c'est dans 3 tours. Enfin. Non, ça sera combattu. Pardon. Là, bah on va attendre un tour au final. J'ai rien oublié. Normalement la menace est réduite, donc on va voir. Je peux pas me permettre de perdre ce système là, c'est pas possible. Si je fais pas la bataille moi-même, il va encore me... Bah les baies de lancement, c'est vrai que c'est déjà un peu ce que Malos Vrican a, donc je sais pas trop. On va essayer de la jouer très distant, hein, là. Donc là. On va essayer de tout désinguer à distance. On veut prendre 0 dégâts. Comment ça va, Dagoture? Du coup, macro canon, ouais, forcément, je pense que des baies de lancement, bah, après, c'est un peu nécessaire, mais pas sur tous les vaisseaux. Et je voudrais peut-être essayer un truc en mode infestation démoniaque. Le petit trait, quand t'as des petits vaisseaux qui créent une action d'assaut sur chaque vaisseau aux alentours de portée d'identification, tu prends des trucs assez corps à corps, sacrifice. Je pense qu'il y a un thème, là. On tient un truc, là.
Donc de toute façon, ça sera ultra distance. Alors le problème, c'est que je vais avoir du mal à... Ouais, non, après les barges d'assaut, remarque, hein. Les barges d'assaut... Je m'en fous des points, de toute façon je vais le rusher la gueule. Pas besoin de gagner par les points ou... C'est pas jouable à la base pour lui normalement. Mais ça va. On vient d'avoir une flotte de cornes et tout. Là, dans l'histoire, t'as un chef orc, un chef de wag qu'ils veulent tuer. Et pour ce faire, il faut soutenir... Ils ont tenté, apparemment ça a marché. Ils corrompent un second orc qui, en échange de viande de titan de l'espace en grande quantité, il trahit l'autre et je sais pas ce qui va se passer. Et du coup, je me dis que c'est les tyrannies, les titans de l'espace. Je sais pas ce que c'est. Salut Jibjab! On verra bien. Ah mais oui, mais qu'il est con. Bah oui, mais si tu traverses les astéroïdes, oui, ça fait mal. Pourtant, t'es un petit vaisseau, non? Oh là 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 là. Ok. The enemy has seized a strategic area. Comment se défoncer un petit vaisseau? C'est les Space Wolves. The enemy has seized a strategic area. As the War Master wills. Tu les représentes comment? Ah, dans le vrai sens alors. D'accord, il y a des baleines de l'espace. Mais moi, tu vois, je pensais que c'était les tyrannides, mais... Je me suis dit, ça va être un vaisseau ruche. Ah oui, c'est au vrai sens du terme dans ce cas-là. Ok. Voilà. Ça va, t'as pas pris trop cher? For the War Master!
Reloading ordinance. We are unstoppable. Show us our victims. Our minions rampage through their ship. Voilà. C'est rapide. Les cornflakes. J'aime beaucoup. Oh, un petit niveau pour l'idolateur quand même. C'est toujours ça de prix. Don de corne. Un plan de bataille. C'est parfait. J'ai quasiment rien perdu. Et donc du coup, au prochain tour, je le défonce. Ah oui, donc un objectif secondaire peut annuler une grosse menace. Ça serait bien que les autres se disent « Ah, moi aussi, je vais attaquer le système. » Et comme ça, je me cache, je les regarde faire. Oh ! Ah yes ! Ah non ! Je me demande si c'est possible que deux factions différentes attaquent le système en même temps. Voilà, on est full. Et normalement, bah là, du coup, je peux lancer la mission. C'est un peu dommage en soi en termes de time, mais bon. On va pas s'empêcher d'avancer juste parce que... Déjà de base... Je dois aller là. Pour commencer, boum. Là, si je veux, je peux peut-être avoir un nouveau vaisseau. J'ai 114 points. Tant que j'ai pas accès au grand croiseur, faut être niveau 7. On reste comme ça. L'émasculateur, il vaut combien? 177. À la base, j'ai 114. J'en enlève 2, j'ai 2 émasculateurs. Hein. Mais on visait peut-être un truc, oui, je me rappelle. Là, je vais voir pour peut-être infestation démoniaque et essayer de faire un truc avec beaucoup d'action d'abordage. Bah, là, je me casse, hein. M'en fous lui à la base. Hein. Lui par contre compte beaucoup. Mais les autres. T'es pas capable d'aller là? Non. Au pire, tu vas aller là. Voilà. On s'occupe de ça et on reviendra par là après. Important ici, bam, ça me coûte cher, ça fait mal au cul, mais on le vit bien. Avec eux, j'ai, ah, je me suis dit à un moment, eux c'est bizarre là, ils m'attaquent jamais, mais si, si, ils vont venir, ça y est. Oui. Par contre, sans petit vaisseau, ça va être compliqué quand même, hein. Voilà. Là, j'ai quand même pas mal de place pour les petits. Donc, du coup, ce qu'il me faudrait, c'est les lances. Par exemple, là, j'ai 546 de puissance. Je vais affronter du Drukhari. Donc. Je vais mettre ça au cas où, on sait jamais, pour plus tard. Je vais regarder, là, il doit y avoir des améliorations à faire avant de lancer la bataille. Ce système-là se porte bien. Normalement, on sera défendu, donc c'est bon. On peut mettre ça d'avance. Très intéressant pour moi, parce qu'apparemment, je vais débloquer un truc, là. Voilà. Marine du chaos lorsque le savoir démoniaque atteint le niveau 3.
Et bah normalement, j'ai les marines du chaos maintenant. Sur tous les vaisseaux potentiellement. Non? Peut-être que ça s'activera au prochain tour, je sais pas, savoir démoniaque. Space Marine du Chaos, des verrous, l'amélioration, Space Marine du Chaos, lorsque savoir. On verra bien. L'amélioration, hein. Je viens de voir marquer l'amélioration. Donc ça se trouve, c'est là-dedans là. Donc là, je pourrais avoir, ça se trouve, Space Marine du Chaos. Tout pour défoncer. Ici, j'ai pas besoin. Ouais, on va dire que c'est toujours ça de prix, voilà. Ok. Maintenant qu'elle a été annulée ici, sauf une, c'est bon. Ici, on va la gérer. Ici, il y en a une, mais on ne la gère pas. Et je sais, ça veut dire que j'ai deux flottes. Là, j'en ai une. Là, j'en ai une. Et là, j'en ai deux. Et du coup, c'est peut-être toi qui vas me confirmer la chose. Ah mais je l'ai déjà. Ouais, je l'ai déjà, Space Marine du Chaos avec lui. Donc ça marche pas bien. On verra pour plus tard. Monde hostile, ok. Allez, on lance la mission. Contre le Seigneur Inquisiteur Darkhammer. 975 de puissance, le bougre. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Forcément, on prend les 4, les 2 et 4. On prend... Ouais, c'est ça, c'est souvent ça de toute façon, sauf que... Non, les deux sont en forme, donc let's go. La bataille de quête. Petite cinématique, j'ai l'impression. Je sais pas, ça a un peu lagué bizarre ou... Ah non. So this is the Baleful Knight. Drang's infiltrators must have already activated its defenses. Let us find out, Malevolence. Open comms. We have awaited your arrival. The station stands ready. What are your orders? You have the honor of acting as bait. Draw the enemy's attention until we're ready to strike. D'accord. As you will. All vessels, set course for the gas cloud. We'll ambush the loyalists once they're drawn. Cap sur la nébuleuse, nous prendrons les loyalistes en embuscade. D'accord. Et je sens que je vais peut-être kiffer cette mission là. Il y a de l'embuscade, j'aime beaucoup l'idée. Mais principalement, j'ai envie de me mettre là quoi. Ouais, on va se mettre là, on verra bien. Mais eux, vu qu'ils tapent plutôt à distance, je peux presque les mettre là. C'est ça, hein. Ok. On a une base et tout. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Là, il n'y a pas d'ennemis. Notre station, là, va servir d'appât. Oh, c'est trop stylé. C'est une station du coup à Imperium, hein. Bah, c'est une station d'appât. Il faut faire croire, hein. S'il commence à avoir des trucs un peu du chaos dessus, le mec il va se poser des questions. Quoi. Il va faire cette histoire, on m'avait promis. Cachez tous vos vaisseaux. Ça va être fait, mon gars. Ça va être fait. Et je vais bien les placer. Que ce soit vraiment une embuscade. Show us our victims!
Engines hot! It seems this cloud is unstable. Il semblerait que cette nébuleuse soit instable. Une tempête de plasma approche. De quoi? De quoi? There is no victory in timidity. Darkhammer's death is worth the gamble. Des tempêtes de plasma risquent d'avoir lieu dans cette zone. Ces perturbations énergétiques sont la plupart du temps négligeables, mais sont amplifiées à l'intérieur des nébuleuses. Lord Inquisitor, I have arrived at the coordinates provided by Admiral Drang. There is some evidence of traitor activity, but weapons read as inactive and are also. Oh, tu vas prendre. Very well. My fleet is inbound. Reduce that station to scrap, but take no unnecessary risks. Si je comprends pas ce qui va se passer. Acknowledged. Combat vectors calculated. Yes. Take the bait. Just a little closer. Mais ça veut dire quoi? Je vais devoir accepter les dégâts de la plasma? Ou je comprends pas là. Moi je voudrais qu'ils traversent ce truc en fait. Ouais mais je vais les accepter les dégâts, je sais pas ce que ça va faire mais... We stand ready. Retro's activated. Je pense que je vais les accepter hein. On va voir hein. For the War Master. On va voir. Setting course. Que ça fait cette connerie. Ah mais il tire dessus! Mais pourquoi tu tires dessus? Oh putain, on est sorti pile à temps! Ah non, bah pas lui hein. Mais what the fuck? Mais c'est quoi ce bordel? Mais what? Aïe! Mais c'est l'embuscade pour moi en fait, c'est pas pour eux! Mais on m'a trompé! Bouge pas! Bouge! We are unstoppable. Mais c'est une arnaque! C'est une arnaque! On m'a arnaqué! On m'a dit c'est une embuscade, mais c'est pour mon cul l'embuscade, c'est pas pour eux, c'est du mytho! Vous m'entendez, vous me recevez, ne vous faites pas avoir, c'est du mytho! C'est un piège tendu par eux-mêmes! Et bouge pas! Reste là, toi! Tu fonces! Aïe! Aïe 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 aïe! Charge-le, lui, tu t'en fous! Ah, tu l'as pas vu venir, hein! On te met peut-être pas trop devant quand même, hein. On sait jamais, hein. Assistez la flotte Mechanicus, ne faites pas de quartier.
pas rien assister du tout, mon gars. Il sera déjà mort avant. Putain, mais il est gros quand même le vaisseau, hein. Reste là! Reste avec nous, t'es bien! Voilà, bisous. Aïe, aïe, aïe. On se casse. Mettez-vous tous en rechargement là. C'est bon, personne n'est dedans. Reporting. Ok. Bon, je vais faire en sorte de pouvoir correctement... Oh là 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 là. Putain, mais l'autre, il avait un vaisseau de... Il est énorme. Ok, on essaie de se recaler correctement. On a une base spatiale qui va nous aider. Donc c'est le moment de briller. Ah, va falloir rechecker toutes les secondes. Ah, c'est Imperium, c'est pas... Oh! Dans 1 minute 30, on fera attention, hein. Ils sont combien? Et vous savez que c'est pas possible pour moi là? Non, je dis ça comme ça, hein, mais... Mais... C'est la bite, je reconnais. Bon, pour l'instant, ça me touche pas, moi. Reporting.
your ass! We are unstoppable! Red Rose activated! Doomfire's unleashed! Your orders! Extracting slaughtered them! Show us our victims! For their ruinous powers! Our minions rampage through their ship! As the War Master wields! For the War Master! Bear us, for we strike from the warp! Executing high energy turn! Doomfire's unleashed! For the War Master! Let the galaxy burn! We are unstoppable! For the War Master! To the slaughter! Setting course! We stand ready! Repair my ship or else! Show us our victims! Doomfire's unleashed! As the War Master wills! Your orders! Locking weapons! Your orders. Reporting! Fear us, for we strike from the war! For the War Master! So ends the pitiful Inquisitor Darkman. Ah, le con! Son rêve en ruine, ses guerriers vaincus, son âme jetée aux pâtures démons. Abattez tous les survivants. Ça sera fait. Et bisous. Show us our victims. Oh, mais ils m'ont mis combien de vaisseaux dans ce... Putain, mais en difficile, ça donne quoi? Mais je suis mort en difficile. Faut que je pré-shot des armées de malades. Ils ont ramené un cuirassé, quoi. Les enfoirés, j'en ai pas, moi. C'est dégueulasse. Allez, niveau 4. On va dire qu'il est niveau 4, là. C'est ainsi que s'achève le zèle inopportun de Darkhammer. Désormais, nous sommes libres de continuer notre campagne contre l'amiral Spire. En ce moment même, les forces impériales se retirent vers Bel Corona afin d'essayer de se regrouper. Retribuer leur indulgence par des cris d'agonie. Poursuivons vers Bel Corona, il n'y a plus besoin. Rencontre trompeuse.
Désordre plasmique. À partir de maintenant, l'événement Tempête Plasma peut se produire lors des batailles. Chaque fois que nous attaquons, les laquais du faux empereur s'enfuient. Ils n'ont pas le goût de la bataille. Ils ne pourront pas crier victoire avant d'avoir coupé leur ligne de retraite. Les augures montrent que les tyrannides ont atteint Aegis Ocularis. Nos sorciers peuvent créer une balise psychique qui les attirera sur le territoire de Spire, laissant nos ennemis se dévorer entre eux. Crucial to Spire's war effort. At worst, a Tyranid incursion will throw his plans into disarray. At best, it will reshape the balance of power in this entire sector. Agreed. Proceed, Malevolence. Let us wake Spire's doom. Refrain du désespoir. Et attendre que l'ennemi arrive. Non, je crois que ça, existe pas, le fait de pas tirer. Je sais pas. Faudrait que je regarde, mais j'ai jamais vu cette option en tout cas. Tu dois capturer un maximum de systèmes disponibles, puis attendre autant que possible avant de faire leur mission. Ouais, je pense que c'est clairement là, parce que vu ce qu'il m'envoyait comme force, normalement. Mes troupes étaient pas prévues pour, d'où les dégâts que j'ai pris, hein. Si j'avais attendu, bon là ça va, c'était une 200 qui m'attaquait après, mais ouais. Trois points de déplacement supplémentaire à la flotte, ouais. Seigneur de guerre impitoyable, je pense qu'on va faire ça. Voilà, comme ça il ira à chaque fois dans un système. Et normalement... Ah ouais, en plus lui il est deux fois plus long. Ok. On va bientôt arriver aux 1h. Bon, si j'y arrivais, ça serait pas mal. Là, ils sont à 0, ouais. Donc là, dans un tour, c'est bon, j'interviendrai ici avec 3 flottes d'un coup. Il y aura tout. Ah là. Non, bah tant pis. Non, je voulais pas. En vrai, je voulais pas annuler. Merde. C'était pas dans mes plans, en fait. En mettant le champ. Merde. Ah. Aïe. Par contre, ouais, ça me donne pas de points, visiblement, hein. Donc là, je peux plus recruter si je veux des flottes du chaos, si je comprends bien là. Ouais, 2 tours. Bon, après, j'ai pas assez, mais parce que là, je vois un truc ici. J'ai 3 flottes de légion, 2/3 de chaos légion et 1/3 de renégat. Là, j'ai joué ici, du coup. Là, c'est fait. Chincha, normalement, je me suis déplacé pour me réparer et repartir au combat après. Hein, c'est ça, l'idée. Donc, lui, on l'attend. À 2 tours aussi. Oh. J'ai chié dans la colle. Et ici, c'est fait. Normalement, j'ai plus personne à déplacer, du coup, hein. Allez, on fait fin de tour pour voir. Ah, ça a peut-être retardé de façon globale tout le monde, en fait. An old foe from an endless war. Where can it be found? Its loss will shake our foes to their foundation. D'accord.
Ça c'est or, je m'en fous. Ça normalement c'est abandonné, je m'en fous. Ça c'est un nouveau système ça. Elle est en bas à droite du cadre, en bas à gauche des options de vaisseau sous la gestion de distance. D'accord. Pour cesser le feu. Ok. Je me demandais du coup du... de quoi tu me parlais. Ok, ok. Alors là, on me demande d'aller là-bas carrément en mission principale. Terminer l'opération spéciale dans le système. Pour l'instant, c'est pas trop possible. Donc c'est un nouveau système là-bas. Et ça, c'est l'opération... pour terminer l'orque. Eux, c'est bon, ils sont full. Le truc, c'est que lui, il intervient pas avant deux tours. 1, 2, 3. Donc, au maximum, faut que j'aille là. Normalement. C'est des grosses flottes, quand même. Grosse que les miennes, visiblement. On est d'accord, hein? Et c'est où, ça? Que Phalanx, la puissante forteresse des monastères, est actuellement stationnée dans le système Amistel. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, bah moi c'est. Je veux pas la rencontrer, hein. Je suis pas à la puissance, hein. Je la connais pas, moi. Ah, vous me dites, hein, si elle arrive, je me casse, hein. J'ai 112 points seulement, c'est toujours pas assez pour ça. Hein. Alors, j'ai pas de points dans ce chantier ici, visiblement, donc il n'y a pas de chantier naval. Ou alors, il y a peut-être un ici, par exemple. C'est pas très défendu. Si j'attends encore un tour, je me renforce assez pour attaquer ça. Agrippina, le secteur principal. Et du coup... et du coup, derrière, je me mets bien. Surtout que c'est Mechanicus. Donc, je vais rester en stationnaire ici. Je vais... après, 1, 2, 3. Donc, si je retourne vite fait chez moi, j'ai de quoi l'attaquer en réparant plus vite. Hein. Et toi, du coup... à 162. Je peux avoir deux Acherons si je veux. Il y a un petit avec, je crois. Donc ce que je peux faire, c'est normalement aller là. Là, j'ai le droit à l'Acheron, mais on va me dire que c'est trop en termes de points. Et donc du coup... un petit MK2 qui dégage. Plus. Plus, plus, plus. Je peux soit prendre ça... deux apostates pour tirer à... ah, mieux. Allez. Voilà. Et là, en plus, je répare full. Et après, ça fera 1, 2, 3. Normalement, c'est pareil dans l'idée. Tac. Ouais. Parce qu'il me reste 1 là.
Et toi, du coup, je vais reprendre un Idolator. Elle est pas encore bien exploitée, ta flotte, mais c'est bon. Puis là, il va quasiment full regen. Ici, ça arrive dans un tour. Du coup, c'est bon. Je suis protégé avec lui. Normalement, ça devrait le faire. Ok. Ici, on l'a dit, la flotte, elle arrive dans deux tours. Donc, je m'en occupe vraiment qu'au prochain tour. Et pour ça, il faut que je sois à bonne distance. Et pour ce faire... Ah! Non. Elles sont où, mes flottes? Elles sont là. Autant laisser... Ouais, les laisser se disperser. Après, j'attaquerai Mechanicus ici. Ouais, mais du coup, j'aurai plus de tours. Là, deux tours. Il restera deux tours, c'est ça? Non, il restera un tour. Et donc, je serai obligé d'intervenir d'abord avant d'attaquer ça. Et ici, t'en es où, toi? Ouais, c'est dans un petit moment. C'est pas tout de suite. Donc là, c'est Nurgle, Senge et Korn qui sont dans la même zone. Ouais, pas fou, hein. Pas fou, pas fou. Allez, on va faire juste la petite bataille, la dernière. Je pense qu'on arrêtera l'épisode. Voilà. Ça qui nous attend. Plus de crâne pour le trône de crâne. Aborder les vaisseaux ennemis. Ça, c'est sûr que ça va être fait, de toute façon. Donc, on a dû. De l'Eldar. Il faut absolument les aborder. Alors au départ eux ils vont être discrets, mais en fait après je vais leur demander de tirer tout le temps devant en rechargement à 4500 et de poursuivre en fait simplement. Il y a l'erreur de pas avoir changé. Ouais, on va aller au corps à corps. Ouais, mais toi normalement acrobatie, ouais. Leur demander d'engager à 4500. On va être d'abord comme ça. Voilà. J'espère juste qu'il n'y aura pas d'effet de tempête bizarre là. Moving to those coordinates. Ok. Donc là on les voit pas, c'est normal. C'est Eldar. On gagne des points. C'est probablement là-bas que ça va se jouer. De toute façon, il va me les détecter, donc... Ah oui, il est déjà là-bas. Reporting. Putain, il va vite, ce con. Ah, c'est vrai qu'il a... Oh non, c'est un Drukhari. C'est pas un Asurian, c'est un Drukhari. Demande à eux d'y aller plutôt, lui d'attendre. We are unstoppable. You have seized a strategic area. Ouais. Dès qu'on les voit, c'est... Ouais, ça arrive. Je peux pas me foirer sur mon ciblage. For the ruinous powers. For the war master. Tear them apart. Your orders. Ok. Ça par contre, ça veut dire ce que ça veut dire ça.
Allez, lui, on le lâche pas. Reporting. Other ruinous powers. Boarding attack successful, master. Setting course. Voilà. Faut surtout pas le lâcher, hein. Rampage through the ship. Show us our victims. Enemy ship sighted. Show us our victims. For the War Master. Your orders. We'll follow your command. But now, for the War Master. As the War Master wills. Show us our victims. We are unstoppable. Ouais, il est extrêmement fragile. J'ai pas fait exprès de lui rentrer dedans, hein, mais we'll follow your command. C'est bon. For now. On va pouvoir péter son vaisseau amiral. Allez, allez, vas-y, 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 piou, 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 piou. Show us our victims. We stand ready. Ok. Moving to those coordinates. We stand ready. Reporting. To the slaughter. We'll follow your command, but now. Retro's activated. For the War Master. Il essaye à chaque fois de l'atteindre, mais il a du mal, hein. As the War Master wills. We cannot take much more. Voilà. Un voile endommagé. Reporting. Et on va être retiré, je pense. Boum. Voilà, parfait. En vrai, ils font bien le taf, là, les petits, là. Oh là là, on est en train de le détruire. For the War Master. Slaughter them. We are unstoppable. Let the galaxy burn. Your orders. Adjusting rotation. Show us our victims. Retro's activated. For the ruinous powers! Reloading ordnance! Engines hot! Qu'est-ce qui t'arrive, toi? We'll follow your command. Voilà! Non, mais oh! Salut, Dilou! Mais il est bien, ouais. Franchement, il est addictif. Ça fait plaisir s'il y a des gens qui kiffent le jeu quand même. Je suis content parce que du coup je me dis, certains, ça peut être grâce à moi. C'est une fierté, c'est une fierté. Allez, en plus d'ondes cornes et tout, on l'a défoncé. C'est pas une mauvaise flotte honnêtement, justement, le choix des lances face aux Eldar, c'est très très bien ça. Et je pense qu'on peut pousser un peu. De toute façon, après. Voilà. Vas-y, fais votre petite bataille. Faut que j'aille là, moi, donc. Les orcs sont gathering in a new war.
Personne ne pourra les arrêter. D'accord. Oh, j'ai un plan, les gars. Je sais pas si c'est possible. Aussi, j'ai un plan. Oh, j'ai un plan de malade. Il faut que je bloque le truc. Ok. Vous allez voir. Ouais, mais je sais pas combien de tours j'ai par contre pour ça. Hein. Alors c'est bien, hein, il y a un truc qui se déplace et tout. Bah ouais, bah, je peux pas faire grand chose pour l'instant. Mais par contre, j'ai un plan de malade. Oh, fifi. Concrètement. Parce que je crois que je peux. Ah non, je peux pas. Si je peux. Je vais taunt cette armée. 552, elle va foncer dans celui-là. Moi, pendant ce temps-là, je fonce avec les deux. Dans celui-là, mais pas à ce tour-là, mais bien au prochain tour. Parce que 1, 2, 3, si je vais là-bas. Yes. Vas-y, grosse bataille. Vous allez voir. Et une fois que ça va se casser la gueule entre les deux, là. Paf, je fonce dessus. Tac, je bloque la wag. Tac, je fais la mission. Double. Ah, il est... Bah, au départ, oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses en information à prendre en compte. Ok, et là, du coup, corne en plus. J'ai trois armées très spécifiques qui viennent... Et qui rejoignent le combat ici. Pendant ce temps, de ce côté-là, ça y est, ils sont tous full. Quasiment. Moi, derrière, ça me permet d'aller là. Parce que normalement, j'ai un petit temps de pause. Hein. J'ai pas d'attaque. Ici, j'en ai 0. Ici, j'en ai 1. Ici, j'en ai 0. Ici, j'en ai 0. Et donc, du coup, j'ai cette bataille-là qui sera beaucoup moins intéressante. Ah oui, mais je suis obligé de la faire, en fait. Ah bah oui, parce que sinon... Ça n'a pas de sens. Ah ouais, bah oui. Bah oui, non, mais je suis un peu con... Et des fois, on a des sursauts de génie, mais la plupart du temps, on n'est pas... Et on le vit bien, seulement si mal. Est-ce que je tenterai pas d'en terminer avec ça, là? Ah ouais, le plan de malade! De fou malade! Oh putain, mais avec le chaos, tu peux faire tellement de trucs stylés comme ça. Allez, on s'attaque à ça. Autant dire que ce monde-là, ça va être une priorité après à garder. Comme celui-ci qui est défendu. Mais là, en plus, là, il y a des planètes pour les dieux. Je vais le bouffer. Ouais, je kiffe trop ce jeu en vrai. Alors, j'espère que mon fond il part pas trop en couille parce que j'ai essayé ouvert le volet pour une fois là, pour prendre un peu de lumière parce que bon. Toute la journée dans le noir à chaque fois avec ma petite lampe là. Donc l'éclairage est un peu spécial mais. Ça fait du bien. Le corps à corps. Le distant. Le spotter. Oh, il y a une porte à protéger.
Oh merde. Bah après il y a... Ça va être dur à défoncer, à protéger la porte quand même, hein. We are unstoppable. Alors s'il y a vraiment que 3 vaisseaux par contre... Après 3000 PV, ça va. Donc on fait gaffe au Nova Canon parce qu'il va forcément essayer de nous encaler. J'essaie de pas trop dépenser en carburant. Hop. Parce qu'il y a les Nova Canons qu'il va falloir bouger. Par contre, eux, ils vont aller au corps à corps. À eux, à tous les jours. Juste, je me protège au cas où s'il y a quelque chose de... Ouais, non, mais voilà. Non, mais par contre... ça, il aurait fallu le coder. Ah, mais sinon, c'est des bombardiers, ça? Non, non, c'est bien des barges d'assaut, je crois. Sauf que ça marche pas, en fait. Envoie tes troupes dans le vide. Ah, ça, j'ai pas vu ça. Ah non, il les a bombardés. Non, non, c'est des bombardiers. Ok. Ok, ok. Ok, ça shoot déjà à ces distances-là. Ça pourrait être bien d'aller les chercher très rapidement et avec eux de rester juste en longue distance. En vrai. Comme je dis, attention, Nova Canon, c'est du Mechanicus. Faut sans arrêt checker au cas où. Et pourquoi pas faire. Ah, elle est là en vrai. Ouais. The enemy has seized a strategic area. Your orders. For the war, master. Et apparemment, il a zéro nouveau canon, ou je comprends pas bien. Reporting. We stand ready. We'll follow your command, for now. Reporting. Show us voilà. Reporting. As the war master wills. For the war master. Reloading ordnance. Alors des fois ça peut être fort le Mechanicus quand ils ont les robots Castellan là. Pas de Nova Canon visiblement. La porte est pas très compliquée à protéger. Hein. Elle est pas trop compliquée à protéger. Elle a beaucoup de pool d'HP, de vie. Donc. Et là, tu prends la foudre. Contre eux, c'est l'armement, s'il faut viser quelque chose. Ah,
ship sighted! Your orders? Set engines to full ahead! Setting course! Attention. Bam! Hop là! Bah ouais, mon gars, t'es en face du chaos. Qu'est-ce que t'as cru? Merde, je l'ai mis en alerte impact, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, bisous. Bah là, il va se faire défoncer, hein. 12 troupes à l'intérieur. Hop, si je veux, je fais ça. Voilà. Le vaisseau, il est infesté de chaos à l'intérieur. Boum! Salut Janko! Ça va bien et toi? Ça fait plaisir de venir te voir sur Twitch. Ah, ça fait un petit moment que je voyais pas des salut Mikado! Je vous disais, hein. Et ça va bien. J'espère que toi aussi. Éternel changement, je sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas. Oh, oui, ça y est. Alors, j'ai toujours pas bien compris ce que c'était le commandement, mais ça, je comprends. Capacité d'ordre, allez, pourquoi pas. Capacité de la flotte, je comprends. Commandement, je comprends pas bien. Point d'amélioration, objectif secondaire. Escorte. Ah ouais, ça c'est bien ça. Non, pas encore test, je testerai demain du coup, je découvrirai avec vous. Certains pourront jouer avant moi, hein, mais moi je découvrirai du coup demain matin. J'aime bien, si j'ai un test en avance, bah du coup je découvre vraiment avec vous. Quand j'ai un test, j'aime bien, j'aime pas trop me spoil. Eh bien écoutez, on a capturé ce gros système qui devrait aller vite, je pense, quand même, en termes de... Oh putain, mais il y a tellement de monde à sacrifier, là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attendez. Alors, attendez. Là, on a un chantier naval. C'est pas une priorité. Le monde forge... C'est une priorité. Le monde a servi. Ça donne pas grand chose. C'est toujours bien de gratter. Donc si on peut juste mettre un petit don. Par exemple. Pour le plaisir du son. C'est si Slanesh. Attendez. J'ai dit j'ai plein de monde là. Pour tous les dieux là. Là, c'est distribution de planètes. Le premier qui arrive à la cantine, il est servi. Nasrin, un monde ruche qui donne de la corruption. Monument du chaos. Récapture d'un point d'intérêt. Ce bonus vous octroiera un don du chaos si vous l'offrez à un dieu du chaos. Allez.
Korn, j'en ai pas mal, mais c'est vrai qu'à 12, ça me ferait 3 taunts. Hein. Mais Nurgle, j'en ai pas souvent, en vrai. Et tu sens que lui, quand tu lui as donné un monde, c'est pas... Il va pas en rester grand-chose, quoi. Je crois que c'est 3 hein, pour frapper sur un monde. Ouais, lui, c'est 3. Hein, donc, encore Nurgle. Hein. Nurgle. Un monde ruche avec un chantier naval et tout. Ah ouais, ça peut retarder tellement de tours. Oh, on sacrifie un peu de tout, ça nous fait des points dans tout. 3, 4, c'est 4, ici, ici c'est 3, ici c'est 3, l'autre c'est 4. C'est vrai que ça j'aime bien quand même. Hein. Petite flotte qui fout la merde, c'est quand même cool. Hein. Ah, est-ce qu'il vaut 3 chez eux cela... Oui, ça je donne. Voilà. Et le dernier monde. J'ai 3 Nurgle, 3 Slaanesh, 2 Tsenge et 3 Korn. Donc... Voilà. On a tout sacrifié. Oui. Mais. Pour le bien du chaos. Et pour des petits sons intéressants. Je sais pas du tout. Peut-être, ouais, j'ai de plus en plus de commandements, ça sous-entend. Donc je tiens plus longtemps les batailles. Bah, il y a que ça, ouais. Mais sinon, je comprends pas bien cette histoire. Parce que ça serait étonnant quand même que je tienne plus longtemps. Plus je gagne de niveau, plus je tient longtemps. Oui, ça se tient en soi, dans l'idée. Mais c'est bizarre, du coup, ça voudrait dire qu'en début de partie, genre, j'ai un commandement tellement faible que... Je sais pas. Bon, après tous ces sacrifices, regardez-moi toutes ces couleurs. Bon, il y a peut-être une préférence un peu pour cela dans le monde, mais... Allez, on essaie d'équilibrer tout le monde. On a donné un Korn un monde forge. Hein. On lui a dit, tiens, on donne pas de la merde. Donc il nous est reconnaissant, j'en suis sûr. Là, bah, je vais m'arrêter là pour l'épisode. Et le prochain épisode, c'est sur une bataille à 1300 d'orques contre 583. Donc on est à 1500, 1600 du chaos, avec des défenses, tout ce qu'il faut. Ça va être une grosse bataille. Une grosse bataille. Il va falloir avoir les nerfs solides. Ou alors, c'est peut-être en bataille même le nombre de vaisseaux que tu peux ramener. Genre, plus tu peux agrandir en fait ta flotte dans la bataille. C'est peut-être ça aussi le commandement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que j'ai un plus haut commandement que taille de flotte. Et si, genre, j'ai le droit d'amener 1000 alors que j'ai 600, du coup, toute ma flotte rentre dans la bataille. Mais si je ramène encore 600, j'ai que la moitié qui rentre en plus. Ah, moi, je croyais le commandement, c'était la valeur morale. Ah, je croyais que vous me parliez de la valeur morale, moi. De mes troupes. Genre, du coup, je gagne de plus en plus de morale. Du coup, je tiens de plus en plus dans les batailles. Ah, oui, bah c'est... ok. Oui. Ok. Ouais, ici, tout est amélioré, hein. Il faut peaufiner ici. Simplement. Allez. Des bisous, YouTube. On se retrouve au prochain épisode où une grosse bataille contre les orques nous attend. Et après, mon plan... machiavélique pour bloquer cette wag. Faudra de mise. Des bisous.